Les deux Foscarides de la Croix est un important tableau appartenant au mouvement romantique. Ce mouvement se situe donc au début du XIXe siècle et de la Croix est le maître de cette école, le chef de file du courant romantique à partir de 1824. Dans ce tableau des deux Foscarides, comme très souvent le fera le mouvement romantique, de la Croix s'intéresse à une anecdote historique qui se situe au Moyen Âge. Nous sommes ici à Venise au XVe siècle. Le doge Foscari est sur la gauche du tableau, sur son trône. L'air accablé, sombre, on vient de lui amener son fils, Jacopo, qui est convaincu de trahison. En effet, le doge Foscari, donc chef de la Sérénissime République de Venise, avait trois enfants, deux sont morts déjà dans les guerres que Venise livre alors contre l'ennemi turc. Et le troisième de ses fils vient d'avouer sa trahison, il vient de sortir de la salle de torture qui est représentée à l'arrière-plan, le bourreau est encore sur la porte. Et le juge est en train de lire la sentence donc, qui va condamner à l'exil, peut-être à la mort, le dernier fils, Foscari. Donc cette scène tragique, tirée de l'histoire de Venise, a été recherchée par Delacroix dans les textes anciens. Et on sait que les romantiques adoraient rechercher ces anecdotes du passé, d'un passé relativement récent, par opposition au mouvement néoclassique, qui avant la Révolution française s'intéressait surtout à des anecdotes tirées de l'histoire antique. Donc ce patrimoine national, ce Moyen-Âge, en l'occurrence vénitien, sont des thèmes qui attiraient beaucoup les romantiques et qui leur permettent aussi de se livrer à une interprétation très colorée. La scène est tout à fait rougeoyante, avec des coloris chauds. Donc ça, c'est tout à fait typique de l'époque romantique, donc du début et du milieu du XIXe siècle. Delacroix est un donc, des plus grands artistes de ce mouvement. Et ce tableau a sûrement été choisi aussi par le duc d'Aumale, donateur de Chantilly à l'Institut, car il représente eh bien, le thème de la perte des fils. Le duc d'Aumale lui-même avait eu 7 enfants. Il en a élevé seulement 2, 5 sont morts en bas âge. Il a perdu ses 2 fils à l'âge de 18 et de 21 ans. Il a lui-même été exilé 23 ans, comme le fils Foscari va l'être. Et donc probablement ce double thème de la perte des fils et de l'exil était des thèmes qui touchaient beaucoup le duc d'Aumale. C'est sans doute la raison pour laquelle il a acquis ce tableau qui a été exposé à l'exposition universelle de 1855. Donc c'était l'un des fleurons.